Aucun homme de bruit universel n'a eu une fin pareille à celle de Napoléon. Aigle, on lui donna un rocher à la pointe duquel il est demeuré au soleil jusqu'à sa mort, et d'où il était vu de toute la terre. Or donc, que son histoire est finie et que son épopée commence, allons le voir mourir. Quittons l'Europe, suivons-le sous le ciel de son apothéose. Le frémissement des mers, là où ses vaisseaux caleront la voile, nous indiquera le lieu de sa disparition. À l'extrémité de notre hémisphère, on entend, dit Tacite, le bruit que fait le soleil en s'immergeant. Juan de Noia, navigateur portugais, s'était égaré dans les eaux qui séparent l'Afrique de l'Amérique. En 1502, le 18 août, fête de la Sainte Hélène, mère du premier empereur chrétien, il rencontra une île sur le 16e degré de latitude méridionale et le 11e de longitude. Il y toucha et lui donna le nom du jour de sa découverte. Après avoir fréquenté cette île quelques années, les Portugais la délaissèrent. Les Hollandais s'y établirent et l'abandonnèrent ensuite pour le Cap de Bonne-Espérance. La Compagnie des Indes d'Angleterre s'en saisit. Les Hollandais la reprirent en 1672. Les Anglais l'occupèrent de nouveau et s'y fixèrent. Saint-Semblant, 1500 noirs mêlés de mulâtres, de javanais et de chinois composent la population de l'île. Jamestown en est la ville et le port. Avant que les Anglais fussent maîtres du Cap de Bonne-Espérance, les flottes de la Compagnie, au retour des Indes, relâchaient à Jamestown. Les matelots étalaient leurs pacotilles au pied des palmistes. Une forêt muette et solitaire se changeait, une fois l'an, en un marché bruyant et peuplé. Le climat de l'île est sain mais pluvieux. Ce donjon de Neptune, qui n'a que 7 à 8 lieues de tour, attire les vapeurs de l'océan. Le soleil du tropique chasse à midi tout ce qui respire, force au silence et au repos jusqu'aux moucherons, oblige les hommes et les animaux à se cacher. Les vagues sont éclairées la nuit de ce qu'on appelle la lumière de mer, lumière produite par des myriades d'insectes dont les amours, électrisés par les tempêtes, allument à la surface de l'abîme les illuminations d'une noce universelle. L'ombre de l'île, obscure et fixe, repose au milieu d'une plaine mobile de diamants. Le 15 octobre, le Northumberland était à la hauteur de Sainte-Hélène. Le passager monta sur le pont. Il eut peine à découvrir un point noir imperceptible dans l'immensité bleuâtre. Il prit une lunette. Il observa ce grain de terre ainsi qu'il eut autrefois observé une forteresse au milieu d'un lac. Il aperçut la bourgade de Saint-James, enchâssée dans des rochers escarpés. Pas une ride de cette façade stérile à laquelle ne fut suspendu un canon. On semblait avoir voulu recevoir le captif selon son génie. Le 17 octobre 1815, l'empereur aborda l'écueil, son mausolée, de même que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb aborda le Nouveau Monde, son monument. Là, dit Walter Scott, à l'entrée de l'océan Indien, Napoléon était privé des moyens de faire un second avatar,
ou incarnation sur la Terre. Avant d'être transporté à la résidence de Longwood, Napoléon occupa une case à Briard, près de Balcombe's Cottage. Le 9 décembre, Longwood, augmenté à la hâte par les charpentiers de la flotte anglaise, reçut son hôte. La maison, située sur un plateau de montagne, se composait d'un salon, d'une salle à manger, d'une bibliothèque, d'un cabinet d'études et d'une chambre à coucher. C'était peu. Le général Gourgaud, M. et Mme de Montholon avec leurs enfants, M. de Lascaz et son fils, campèrent provisoirement sous des tentes. M. et Mme Bertrand s'établirent à Hut's Gate, cabine placée à la limite du terrain de Longwood. Napoléon avait pour promenoir une arène de 12 000. Des sentinelles entouraient cet espace et des vigies étaient placées sur les plus hauts pitons. Le lion pouvait étendre ses courses au-delà, mais il fallait alors qu'il consentît de se laisser garder par un bestiaire anglais. Deux camps défendaient l'enceinte excommuniée. Le soir, le cercle des factionnaires se resserrait sur Longwood. À 9 heures, Napoléon consigné ne pouvait plus sortir. Les patrouilles faisaient la ronde. Des cavaliers en vedette, des fantassins plantés çà et là, veillaient dans les criques et dans les ravins qui descendaient à la grève. Deux briques armées croisaient, l'un sous le vent, l'autre au vent de l'île. Que de précautions pour garder un seul homme au milieu des mers. Après le coucher du soleil, aucune chaloupe ne pouvait mettre à la mer. Les bateaux pêcheurs étaient comptés, et la nuit, ils restaient au port sous la responsabilité d'un lieutenant de marine. Le souverain généralissime, qui avait cité le monde à son étrier, était appelé à comparaître deux fois le jour devant un hausse-col. L'empereur en exil ne se soumettait point à cet appel. Quand par fortune, il ne pouvait éviter les regards de l'officier de service, cet officier n'aurait osé dire où et comment il avait vu celui dont il était plus difficile de constater l'absence que de prouver la présence à l'univers. Sir George Cockburn, auteur de ces règlements sévères, fut remplacé par Sir Hudson Lowe. Alors commencèrent les pointilleries dont tous les mémoires nous ont entretenus. Si l'on en croyait ses mémoires, le nouveau gouverneur aurait été de la famille des énormes araignées de Sainte-Hélène et le reptile de ces bois où les serpents sont inconnus. L'Angleterre manqua d'élévation. Napoléon de dignité. Sa vie à Longwood était ainsi réglée. Il ne s'éveillait pas à heure fixe.
Monsieur Marchand, son valet, lui faisait la lecture alors qu'il était encore couché. Quand il se levait chaque matin, il dictait aux généraux Montholon et Gourgaud et au fils de Monsieur Lascazes. Il petit-déjeunait à 10 heures, se promenait à cheval ou en calèche jusqu'à 3, rentrait chez lui à 6 et se couchait à 11. Il portait le costume dans lequel la représentait Isabey. Le matin, il se vêtait à l'orientale et nouait un madras sur sa tête. Quelques-uns des voyageurs anglais qui venaient d'admirer ou qui allaient voir les merveilles du Gange visitaient sur leur chemin une autre merveille. L'Inde, accoutumée aux conquérants, en avait un enchaîné à ses portes. Napoléon admettait ses visites avec peine. Il consentit à recevoir Lord Amersch à son retour de son ambassade de Chine. L'amiral Malcolm lui plut. « Votre gouvernement, lui dit-il un jour, a-t-il l'intention de me retenir sur ce rocher jusqu'à ma mort ?» L'amiral répondit qu'il le craignait. « Alors ma mort arrivera bientôt. »« J'espère que non, monsieur. »« Vous vivrez assez de temps pour écrire vos grandes actions. »« Elles sont si nombreuses que cette tâche vous assure une longue vie. » Ces différents voyageurs remarquèrent qu'aucune trace de couleur ne paraissait sur le visage de Napoléon. Sa tête ressemblait à un buste de marbre dont la blancheur était légèrement jaunie par le temps. Rien de sillonné sur son front ni de creusé dans ses joues. Son âme semblait sereine. Ce calme apparent fit croire que la flamme de son génie s'était envolée. Il parlait avec lenteur, son expression était affectueuse et presque tendre. Quelquefois, il lançait des regards éblouissants, mais cet état passait vite. Ses yeux se voilaient et devenaient tristes. Napoléon approchait de sa fin. Rongé d'une plaie intérieure, envenimée par le chagrin, il l'avait portée, cette plaie, au sein de la prospérité. C'était le seul héritage qu'il eut reçu de son père, le reste lui venait des munificences de Dieu. Déjà, il comptait 6 années d'exil. Il lui avait fallu moins de temps pour conquérir l'Europe. Il restait presque toujours renfermé, et lisait Ossian de la traduction italienne de Cesarotti. Tout la tristesse sous un ciel où la vie semblait plus courte. Quand Napoléon sortait, il parcourait des sentiers scabreux que bordaient des aloès et déjeunait odoriférants. Il se promenait parmi les gommiers à fleurs rares que les vents généreux faisaient pencher du même côté, où il se cachait dans les gros nuages qui roulaient à terre. On le voyait assis sur les bases du pic de Diane, du Flagstaff, du Ladder Hill, contemplant la mer par les brèches des montagnes. Devant lui se déroulait cet océan qui, d'une part, baigne les côtes de l'Afrique, de l'autre les rives américaines, et qui va, comme un fleuve sans bord, se perdre dans les mers australes.
Qui dira les pensées de ce Prométhée déchiré vivant par la mort, lorsque, la main appuyée sur sa poitrine douloureuse, il promenait ses regards sur les flots? Napoléon, oubliant une pensée de lui, ne m'étant pas donné la vie, je ne me l'ôterai pas, parlait de se tuer. Il ne se souvenait plus aussi de son ordre du jour à propos du suicide d'un de ses soldats. Il espérait assez dans l'attachement de ses compagnons de captivité pour croire qu'il consentirait à s'étouffer avec lui à la vapeur d'un brasier. L'illusion était grande. Tels sont les enivrements d'une longue domination. Mais il ne faut considérer dans les impatiences de Napoléon que le degré de souffrance auquel il était parvenu. Monsieur de Lascazes, ayant écrit à Lucien sur un morceau de soie blanche, en contravention avec les règlements, reçut l'ordre de quitter Sainte-Hélène. Son absence augmenta le vide autour du banni. Le 18 mai 1817, Lord Holland, dans la Chambre des Pairs, fit une proposition au sujet des plaintes transmises en Angleterre par le général Montholon. « La postérité n'examinera pas, dit-il, si Napoléon a été justement puni de ses crimes, mais si l'Angleterre a montré la générosité qui convenait à une grande nation. » Lord Bathurst combattit la motion. Le cardinal Fesch dépêcha d'Italie deux prêtres à son neveu. La princesse Borghèse sollicitait la faveur de rejoindre son frère. « Non, dit Napoléon, je ne veux pas qu'elle soit témoin de mon humiliation et des insultes auxquelles je suis exposé. Cette sœur aimée ne traversa pas les mers. Elle mourut au lieu où Napoléon avait laissé sa renommée. » Des projets d'enlèvement se formèrent. Un colonel Latapie, à la tête d'une bande d'aventuriers américains, méditait une descente à Sainte-Hélène. Johnston, hardi contrebandier, prétendit dérober l'empereur déchu au moyen d'un bateau sous-marin. De jeunes lords entraient dans ses projets. On conspirait pour rompre les chaînes de l'oppresseur. On aurait laissé périr dans les fers, sans y penser, le libérateur du genre humain? Napoléon espérait sa délivrance des mouvements politiques de l'Europe. S'il eût vécu jusqu'en 1830, peut-être nous serait-il revenu. Mais qu'eût-il fait parmi nous? Il eût semblé caduque et arriéré au milieu des idées nouvelles. Maintenant, sa grandeur paraîtrait despotisme à notre petitesse. À l'époque actuelle, tout est décrépit dans un jour. Qui vit trop, meurt vivant. En avançant dans la vie, nous laissons trois ou quatre images de nous, différentes les unes des autres. Nous les revoyons ensuite dans la vapeur du passé, comme des portraits de nos différents âges. Napoléon affaibli ne s'occupait plus que comme un enfant. Il s'amusait à creuser dans son jardin un petit bassin. Il y mit quelques poissons. Le mastic du bassin se trouvant mêlé de cuivre, les poissons moururent. Il dit « Tout ce qui m'attache est frappé ».